Monsieur le Président Mélenchon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Sans vouloir rendre plus compliquée la tâche qui est la vôtre et celle de nos collègues, je voudrais faire connaître à toute notre Assemblée la protestation et la proposition que je vous ai faite tout à l'heure. Il y a 6 vice-présidents de l'Assemblée. Quel symbole plus éclatant de notre commune présence dans ces lieux que cette présidence? Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé que, puisque nous sommes 7 groupes et qu'il y a 6 vice-présidents, que l'on étende à 7 le nombre des vice-présidents, en sorte que chaque groupe en est un, sans qu'un en monopolise l'essentiel, quitte à ajuster, pour la dépense, le nombre total des membres du bureau de l'Assemblée, en sorte que nous puissions, soulager les 12 secrétaires qui paraissent être nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du bureau. Donc, 7 vice-présidents, un par groupe, quelques secrétaires de moins, et ainsi, nous aurions ce symbole magnifique à l'Assemblée, qu'à tour de rôle, chaque groupe la présiderait, comme c'est l'image d'une grande démocratie. Je ne crois pas qu'on attente au principe de la proportionnelle. Le principe abstrait de ces points qui sont attribués à chaque groupe existe depuis 1959. Je m'incline devant la durée, mais je propose un peu de renouveau. Et à cet égard, le pluralisme nous ferait le plus grand bien.